Bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Pierre-Louis Marin, nous allons faire des joues de bœuf avec des poireaux étuvés, des girolles et un bouillon émulsionné à l'huile d'olive. Eh oui, un bouillon émulsionné à l'huile d'olive, ça sent bon la cuisine de Catalogne. Tout à fait. Ouais. Voilà, alors on a deux joues de bœuf. Là, des joues de bœuf qui font à peu près 300 grammes. Donc, on va compter pour 4 personnes. 150 grammes de viande par personne, c'est déjà pas mal. Alors là, on a une casserole d'eau. Mais alors, on va la pocher. Qu'est-ce qu'on va la faire, comment? On va faire comme si c'était un pot-au-feu, si vous voulez. Donc, on va la plonger dans de l'eau froide. Oui. Non salée. On va porter à ébullition. Oui. Et écumer. D'accord. Et une fois qu'on aura écumé, alors là, nous ajouterons le sel et la garniture aromatique. Très bien. Donc il faut une quantité d'eau assez importante quand même. Oui. Parce qu'on va cuire ça pendant combien de temps environ, Pierre-Louis? Ça va cuire environ 1 heure et demie. Et donc on se servira du bouillon pour l'émulsionner. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que le bouillon soit très goûteux. Voilà, on arrive à l'ébullition et on voit il y a toute l'albumine, il y a tout qui remonte. Hein. Puis on voit, regardez, ces parties noires, etc. Donc il faut enlever tout ce qui est cette partie blanche et noire dessus pour avoir un bouillon bien clair et bien goûteux. Voilà. Alors ça, c'est une opération... On peut dire que c'est l'opération même la plus importante de la préparation. Regardez, ça s'enlève tout seul. Avec une louche. Ouais, on écume. On pourrait croire qu'écumoir, c'est fait pour écumer, mais en fait, ça va mieux avec une louche. Oui. Voilà, là, on a la bonne ébullition. Là, maintenant, une petite ébullition. Hein. On a enlevé, on enlevera encore un petit peu parce qu'il va en revenir. Oui. Il en aura toujours un petit peu, de toute façon. Oui. Et là, donc, on va saler. Et on va ajouter la garniture aromatique. D'accord. Et ensuite, il faudra laisser cuire pendant 1 heure et demie. D'accord. Donc, on a un bon bouquet garni avec thym, laurier, queue de persil, enveloppé dans feuilles de poireau et céleri, une petite branche de céleri. Un oignon piqué d'un clou de girofle. Un clou de girofle, oui. Un oignon moyen, ce qu'on appelle un oignon charcutier. Et une carotte. Voilà. Et là, maintenant, c'est parti pour 1 heure et demie. À frémissement. Et de temps à autre, on enlève l'écume. Voilà, le bœuf est en train de cuire à petit frémissement. Là, on a mis une casserole d'eau avec 2-3 litres d'eau. Et on a 3 poireaux. Alors là, ce sont des beaux poireaux. Hein. Si on a des jeunes poireaux, on met des petits. Hein. Ah, c'est encore mieux. Oui, là, c'est des gros poireaux. Alors, 2, 4, 6, 8. Hein. Voilà. 8. Il y a 3 poireaux, 3 beaux poireaux. On va les cuire à l'anglaise pour commencer. Voilà. Donc, on sale, bien sûr. J'ai rallumé un petit peu le feu, là, ça... Oui. Et ensuite, on plonge les poireaux. Voilà, là, les poireaux, on 10 minutes. Hein, on les a fait cuire à frémissement. Alors, comme ça, vous voyez, ils sont pas abîmés. Hein, ils restent bien entiers. Oui. Donc, on les rafraîchit un peu. On va les rafraîchir tout de suite. Alors on fait attention, on les prend délicatement parce que voilà. Ça peut s'écraser encore. Oui, hein. la peau extérieure qui peut s'enlever, ça reste fragile. Alors comme ça on arrête tout de suite la cuisson. Alors là on va juste les refroidir. Oui. Dans l'eau froide, une fois qu'ils sont froids, on les met sur papier absorbant. C'est ça. Alors maintenant on va pouvoir les cuire nos morceaux de poireaux. Voilà, on va pouvoir les rouler dans... Tronçon de poireaux. Sont jolis, hein. Oui, n'est-ce pas? Alors, on y va? On y va, bien sûr, oui. Pierre-Louis. Pas très loin quand même, on reste là. Comme à mon nez. Comme à mon nez. Mon nez. Un filet d'huile d'olive. Mon nez, 25 km de Perpignan. Combien d'altitude? 80 mètres. Oh, oh là, c'est haut. Pas trop, hein. Tu fais 100 vélos alors, j'espère, non? Toi qui es physique. J'aimerais bien. Mais... 1,85 m. C'est précis avec... Hein. Comme sa cuisine, la cuisine de Pierre-Louis, toujours précis. Donc quand le mélange commence à mousser un petit peu, on va rajouter les poireaux. Et on va les enrober de cette matière grasse, tout en faisant toujours attention de ne pas les abîmer. Très bien, donc il faut les colorer légèrement, Pierre-Louis? Non, on ne veut pas les colorer. Oui. En fait, ce qu'on va faire, peut-être, c'est rajouter un petit peu de bouillon dedans. À peine un peu. Il ne faut pas les colorer, alors. Non. Là, il y avait combien? 50 g de beurre, à peu près, 40 g de beurre. Oui, pas plus. Une cuillère à soupe d'huile.
Hein. Voilà. Oui. Enfin, bon, allez, deux noix de beurre, comme ça, on le pèse pas, on va pas le peser. Non, c'est pas le but. Très bien. Alors là, donc, alors doucement, alors il faut aller doucement, alors non ? Doucement, oui. Petite cuisson. Et ce qu'on veut, c'est que le bouillon qu'on va ajouter un petit peu avec le beurre s'émulsionne légèrement pour faire un jus. Un jus. Oui. Qui va. Un bouillon, là, un genre de borlier, moi, jus. Voilà. Dont les poireaux vont s'enrober. Très bien. Voilà. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est un jus blanc, blanc-jaune. Oui. Voilà, on va laisser tout doucement se réchauffer dans ce jus-là. Donc là, maintenant, on a nos poireaux. On va les laisser comme ça, finir doucement ou quoi ? Non, là, maintenant, on peut éteindre maintenant. Très bien. Et on va rajouter une autre garniture. Voilà, une petite poêlée de girolles. Et c'est toujours bon, non ? Une poêlée de champignons, tout le monde aime ça. Donc on laisse nos poireaux de côté. Et là, on a combien de girolles, là ? Oui, à peu près. 250 grammes, oui, 200 grammes, oui, hein. Voilà, oui. Deux poignées de girolles. Allez, on va pas les peser. Hein. Vous prenez deux poignées, une poignée par personne. Là, ce sont des belles petites girolles. Magnifique. C'est les girolles de printemps. Hein, voilà, c'est, elles sont belles. Alors, on les saute avec quoi chez toi, là-bas ? Avec de l'huile ou du beurre ? Je me demande. Oui. Bon, à peu près. Un petit filet d'huile d'olive. D'huile d'olive. Est-ce qu'il faut que la poêle soit chaude ? Oui, mais pas non plus. Oui, parce que là, elle est chaude, elle est très chaude, hein, on peut y aller. On y va ? Oui. Il y a des champignons chez vous ? Oui, on trouve. Des girolles, oui. On trouve des champignons, des girolles, des cèpes. Oui. Et surtout, le champignon qui est très apprécié par le catalan, c'est le lacter délicieux. On appelle ça le rubiuns. Oui. Ça ressemble un petit peu à la girole. Comment vous appelez ça, le ? Rubiuns. Rubiuns. Voilà. Ça a une texture beaucoup plus ferme. Oui. Et ça se consomme énormément par chez nous. D'accord. Lacter délicieux. Voilà. Ou lacter sanguin. Oui. Parce que quand on coupe, il rougit un petit peu. Ouais. Okay. Regardez, là on voit que c'est des belles petites girolles. Hein. Tout à fait. Vous voyez la belle girole de saison, là, de printemps. Regardez, on voit le pied qui est tout petit. Hein. Plus le pied est petit, ça veut dire que c'est. Les girolles étrangères qui viennent du Maroc ou chez nous, elles ont des pieds très gros. Hein. C'est vrai. Et là, donc, on va les garder un petit peu fermes. Donc, on va arrêter la cuisson maintenant. D'accord, on arrête. Et les mettre dans la poêle avec le... Parce que là, qu'est-ce qu'on va mettre dans la poêle, là, maintenant ? On va mettre la girole et ensuite, on va mettre la joue. Ah bon, on met les girolles, alors, déjà. Hein. D'accord. Et là, on va les couper un petit peu, les joues, avant ? Oui, un petit peu, oui. Ah, d'accord. OK. On est parsème. Voilà, on va mettre la poêle là, à la place. Et on va couper la viande. Voilà. Là, le bœuf a 1h30 de cuisson. Voilà. Et maintenant, on va... La joue, hein, les deux joues. De bœuf, oui. Et on voit le nerf ici qui est tout tendre après la... Oui. Vous voyez, après c'est la moelleux, le rédit de cuisson, ça c'est... Et c'est une viande qui a du goût, qui est très goûteuse. C'est... Moi, j'adore ça. Moi aussi. Bon, voilà. Très bien. Et donc, vous aussi, vous allez aimer. Quand vous l'aurez fait. Certainement. Alors maintenant, comment tu conseilles de couper la viande ? Alors on peut, c'est une viande qui est très tendre, donc on peut très bien seulement la couper en deux, oui. La disposer ici, ou alors faire des tranches. Bon, mais seulement, il faut de la mâche, hein, donc il vaut mieux un gros morceau, hein, oui. Dans cette viande. Voilà. Parce que c'est, on le répète, c'est très très moelleux. Il faut faire attention. Fais comme chez toi, allez. Faut Pierre-Louis, pas comme faire tu fais de... à mon nez. Voilà, on va faire deux morceaux comme ça. Mmh. Voilà, c'est une viande. Un peu l'éparer, regardez, comme ça c'est joli, on va voir. Gélatineuse, hein. Mais ça, non, c'est pas pour vous. Hein. Ah non ? Pierre-Louis, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Non, allez, non, allez, régalez-vous. Mais bon, c'est vrai qu'un petit peu de fleur de sel et d'huile d'olive, là, et tout seul, c'est. C'est vraiment bon. Et en plus, c'est joli, on voit le nerf au milieu, là. Essayez, hein, quand vous faites un pot-au-feu, essayez ce morceau de viande. Où vous faites des sautés, vous serez surpris de la qualité. C'est goûteux, c'est bon, c'est moelleux. Alors on met dessus. Tiens, je te laisse un gros morceau pour que tu goûtes quand même. Merci, hein. Merci.
T'as raison, hein. Un petit peu de fleur de sel. Tiens, je te mets un petit peu de fleur de sel pour toi. Voilà. Mmh. Et je te mets une petite goutte d'huile d'olive. Une goutte d'huile d'olive. Oh, toi, je peux t'en mettre une grosse, non? Oui. Non? Voilà. Allez, deux. Alors ça? Mmh. Ça tout seul, comme ça, c'est un régal. Mmh. Mmh. Et là, on sent l'huile d'olive qui est bien fruitée, qui va bien avec. Mmh. Là, faut en mettre, alors. Voilà, là, on va en mettre, oui. Ah oui, mais avant, faut finir le jus, non? Alors, on peut mettre la fleur de sel de toute façon. Mmh. Mmh. Je vous dis pas, hein. Un petit peu de fleur de sel dessus. Voilà. On peut déjà mettre un petit peu d'huile d'olive, on attend. Ah oui, pourquoi pas. Oui. À la façon de... Allez. À la façon de Pierre-Louis. Voilà. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut très facilement se faire... Alors, le jus, le bouillon. Là, on a pris allez, 3 louches de bouillon. Voilà. Qu'on a porté à ébullition. On va goûter, de façon à s'assurer que ce soit bien goûteux, parce que ça va servir de jus, de sauce, en quelque sorte. Oui, hein, d'accord. Vous voulez goûter? Ah, je veux bien, oui, volontiers. Mmh. Très parfumé, hein? Oui. Oula, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Et là, on va rajouter à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mmh. Et on va émulsionner, en fait on va remplacer le beurre par l'huile d'olive. D'accord, on peut faire ça hors du feu? Oui. D'accord. Donc on l'a posé sur l'assiette. On a repris des cuillères, hein, d'autres cuillères. Une. Une. Et deux. Deux cuillères. Voilà. Et là on émulsionne? Et on émulsionne. On penche un petit peu la casserole. Un petit coup toujours. Pour amorcer. T'as vu ce parfum avec l'huile d'olive? Ah, ouais. Là, ça va ou encore plus? C'est parfait comme ça. Très bien, puisqu'on peut faire plus. Et oui. on met ce bouillon? Voilà, et on verse autour. Eh bien, on y va. Comme chez toi. Alors, on n'en met pas sur la joue, parce que comme on a salé et huile d'olive, vous voyez, on va éviter de l'enlever. Voilà, et puis on peut servir le reste à part, à la limite. Voilà. Voilà, un joli plat convivial qu'on met au milieu de la table. Chacun se sert et on boit avec ça, Pierre-Louis. Un Côte du Roussillon village. Oui. Et un peu frais ou à température ambiante? Bon, 14 degrés comme... Oui, comme 100 ans de cave. Voilà. Joues de bœuf aux poireaux et girolles, bouillon à l'huile d'olive de Pierre-Louis Marin. Pour 4 personnes, 2 joues de bœuf, 2 poignées de girolles, 3 poireaux, 1 carotte, 1 oignon, 1 clou de girofle, 40 g de beurre, 1 bouquet garni, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du gros sel et de la fleur de sel.